Bonjour à tous, donc je m'appelle Hélène Lemerle, Lina en chinois. Entre 2014 et 2019, j'ai travaillé dans deux centres équestres qui utilisaient tous les deux le modèle français. Mais après le Covid, j'ai décidé de monter une société de conseil en gestion des centres équestres. Je vous explique ceci pour que vous puissiez comprendre mon point de vue en ce qui concerne les perspectives de l'économie et du marché chinois. J'ai observé une première chose. Tout d'abord, évidemment, et comme dans le reste du monde, l'économie chinoise a subi des préjudices dus à ces années de Covid. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a provoqué un changement assez radical dans le comportement des consommateurs. Ceux-ci semblent montrer beaucoup plus d'importance ou d'intérêt à la qualité des produits et services qu'ils achètent. Et ça, c'est très intéressant parce que cela pousse les entreprises, qu'elles soient de services ou de produits, à augmenter leur qualité. Et ceci est évidemment bon pour le marché intérieur, mais aussi pour l'exportation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est vrai aussi dans le reste du monde, le Covid a poussé les gens leur a fait prendre conscience, plus conscience, de l'importance de leur bien-être physique et mental. Et on voit ainsi un développement fulgurant du sport en Chine. En ce qui concerne le bien-être, je suis allée avant-hier au Salon du Cheval à Shanghai. Les pavillons qui étaient juste à côté étaient tous dédiés au bien-être. Et j'ai parcouru, entre autres, les allées du pavillon du fitness qui était rempli à craquer. Cela montre bien l'intérêt que les Chinois portent à leur santé physique. Donc, les perspectives de l'économie et du marché chinois, pour moi, sont assez bonnes. Elles sont l'économie et le marché sont fondamentalement différents désormais. Et les sociétés vont devoir s'habituer au nouveau mode de consommation des Chinois. Mais tout ça est pour le bien, puisque ça permettra une plus grande qualité des produits et des services.